Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne, en mission pour 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Dans l'espace, on flotte toute la journée, il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas, les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de notre salle de sport spatiale. À bord de la station, plusieurs possibilités pour faire du sport. Cette machine s'appelle CEVIS. C'est tout simplement un vélo d'appartement version spatiale. Il est isolé en vibration du reste de la station pour évidemment pas transmettre les efforts réalisés pendant la pratique sportive à la structure de la station spatiale et aux expériences qu'utilise la microgravité. Et voilà, c'est prêt. Une autre machine qu'on utilise tous les jours dans la station spatiale, c'est notre tapis roulant, qui s'appelle T2. C'est-à-dire c'est un simple tapis roulant, mais évidemment pour l'envoyer ici, c'est une autre paire de manches. Il est encore une fois isolé en vibration de l'ensemble de la station. Il est relié à des ordinateurs qui nous permettent de suivre notre performance et il envoie les données en direct au sol. Donc pour l'utiliser, on a chacun un harnais personnalisé, parce qu'évidemment il faut une force qui nous retienne vers la surface du tapis et ça, c'est réalisé par des élastiques tout simplement. Et ensuite, c'est parti pour le footing quotidien à bord de l'ISS. Et enfin, notre dernière machine ici dans la station spatiale, c'est sans doute celle qu'on préfère, s'appelle ARED. C'est un monstre qui, grâce à 2 cylindres pneumatiques, peut recréer jusqu'à 272 kg de force. Et ça sert à entraîner tous les muscles du corps, les muscles du haut du corps, épaules, bras, dos, pectoraux, abdominaux, mais aussi les muscles des jambes en faisant des squats ou des exercices comme ça. Un des grands avantages de cette machine, en plus du fait qu'elle permet de nous garder en bonne santé, c'est qu'elle a une vue imprenable juste en dessous de mes pieds en ce moment, c'est la cupola avec vue sur la Terre. Donc c'est quand même la salle de sport avec la meilleure vue du monde.